Mais très lourd. Alors les élèves, finissez cet exercice sur votre feuille. Qu'est-ce que tu fais? Tu recopies tout à la main sur le cahier? Tu perds ton temps? Tu gaspilles les papiers? Tu sais qu'il y a une application qui s'appelle SonSac, c'est vrai? Viens que je te montre. SonSac permet de ne pas utiliser les livres, ni les papiers, ni les photocopies. C'est vrai? C'est vrai. Je vais montrer. Ça, c'est la page d'accueil. On va faire le login avec mon email et mon password. Puis je fais se connecter. Ah, il y a tous les cahiers. Ça, c'est tous les cahiers, voilà. Je peux cliquer sur n'importe quel cahier. Maintenant, on est dans un cours de maths. Je vais cliquer sur le cahier de maths. Voilà. Ça, c'est mon cahier de maths. Je peux écrire n'importe quelle chose. Je peux prendre une autre page, comme ça. Voilà. Puis, je tape quelque chose. Par exemple, page 2, leçon 2, hypoténuse. Par exemple, on n'a pas fait telle chose, je peux écrire. Ah, il y a des options, oui, il y a des options, je peux te montrer un peu. Je peux faire un deadline, je peux faire bold, je peux faire italique, je peux changer de couleur, je peux cliquer sur autre option de texte, j'ai toutes ces options. Je peux barrer, je peux mettre un carré, je peux faire un lisse, je peux changer la taille, je peux changer la couleur, je peux faire un highlight comme ça. Je peux, voilà. Mais c'est génial ça! Oui, aussi, il y a une option dark mode et light mode. Quand je clique comme ça, ça change. On a aussi d'autres options. On peut cliquer sur annonce. Et on peut voir toutes les annonces d'administrateur. Ça, c'est les tests qu'on a essayé. Alors, pour ça, peut faire des annonces et les professeurs et les administrateurs. Si on a la page d'examen, je peux cliquer maintenant car on n'est pas dans un examen. Mais si on a un examen, on clique. Oui, on est lancé dans un examen. Et on ne peut pas tricher. Si on sort de la page, le professeur peut savoir. Le compte, quand on clique sur le compte, on voit toutes les informations de notre programme. Le email, le nom et le mot de passe. On peut changer le mot de passe. Quand je clique, on écrit l'ancien mot de passe, voilà. Puis le nouveau, voilà. Puis je clique changer. Hop, voilà. Quelle quantité de papier est gaspillée dans les écoles? Une école typique utilisera en moyenne 2000 feuilles de papier par jour, ce qui signifie qu'au cours d'une année scolaire, une école devra parcourir plus de 320 000 feuilles de papier par an. De plus, les livres et les cahiers en papier peuvent être coûteux. Ils peuvent également avoir un impact négatif sur l'environnement. Maintenant, il y a une solution, votre application révolutionnaire qui remplace les livres et les cahiers pour les élèves. Notre application intuitive et facile à utiliser permet aux élèves de suivre leurs cours et de faire leurs devoirs directement sur leur appareil, sans avoir besoin de transporter des livres et des cahiers lourds. Dites adieu aux sacs lourds et coûteux remplis de livres et de cahiers en papier. Avec notre application, vous pouvez étudier plus intelligemment et de manière plus durable.